Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de vivre en communauté quand vous faites une BAM. Allez, c'est parti. Alors, de vivre en communauté, en faire une BAM, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas toujours évident de trouver les gens avec qui on s'entend bien. Chaque caractère sont différents. C'est comme vivre en couple avant mariage. C'est là où on se rend compte l'un et l'autre ont des défauts et qui des fois sont waouh, faut s'approcher. On a tous des défauts, mais on a tous aussi des qualités. Vivre en communauté dans une semi-bague, dans une bague ou quelconque genre de système autonome, c'est à la fois super, mais à la fois très complexe. Puisque, comme dit, on va se retrouver avec les caractères et les humeurs, pas toujours faciles à accepter de chez l'un ou de chez l'autre. Donc il va falloir travailler sur soi aussi pour parfois dire les choses d'une certaine manière. Par exemple, on peut se retrouver un jour dans une base durable, un petit village, une petite communauté, où il y a des petits problèmes, parce qu'il y en a un qui est un peu moins motivé, où on se trouve à devoir lui dire, voilà, tu n'es pas trop motivé en ce moment, il va falloir que tu refasses, que tu remettes au travail, par exemple. Bien sûr que, il y a des gens qui vont lui dire sans, qu'est-ce que tu prends, il va falloir que je bosse un peu plus. Donc il va dire, ferme ta gueule, enfin voilà. Donc il va falloir capter un petit peu le caractère de chacun, avoir du temps et pouvoir trouver les bons mots. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, par exemple, vous allez avoir un travail à faire, une manière, par exemple, de protéger la base durable, et vous avez les dissensions, par exemple, il y en a qui pensent faire comme ci, l'autre qui veut faire ça comme ça, et donc il va falloir vraiment trouver des accords entre vous, entre nous, enfin, pour que ça fonctionne bien. Mais il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer en bon et en mauvais, cette truc-là. À vivre en communauté, c'est ce qu'il y a de plus simple quand vous faites une base durable. Chacun va pouvoir apporter ses compétences techniques, que ce soit dans le bricolage, dans le jardinage, dans l'électricité, dans les idées parfois ingénieuses, parce que des fois il y a des petits trucs tout bêtes, on réfléchit sur un truc et en fait il y a un petit système à la con qui fonctionne très bien. Donc chacun va pouvoir apporter ses compétences. Après, il y a des gens qui, premièrement, vont se trouver, pas trouver vraiment leur place au sein de la BAM. Ils veulent vivre en autonomie, ils veulent vivre un petit peu comme ça, en mode alternatif. Moi, je dirais que c'est le mode de vie classique, mais que pour aujourd'hui, les gens, quand on leur dit ça, c'est un truc de fou. Et cette personne-là va parfois peut-être ne pas trouver ses marques tout de suite. Va peut-être avoir du mal, peut-être qu'il va pas avoir la main verte. Le jardin, c'est quelque chose de très complexe aussi. Il faut pas croire qu'on prend juste le tomate, le pomme de terre et compagnie, que ça marche tout de suite. Cette année, par exemple, les tomates, c'était une catastrophe, par exemple. Pendant le mois d'absence où je n'étais pas à la maison, les tomates ont poussé mieux que je m'en occupais. Va savoir. Mais la nature fait son chemin. Et bon, la personne qui n'a pas trouvé ses marques va peut-être se sentir parfois un petit peu déstabilisé vis-à-vis des autres. Il comme super bien, il a la main verte, il arrive à faire plein de choses, et nous on s'y met, par exemple, personne qui n'arrive pas à prouver ses compétences et ses techniques va très vite se sentir un petit peu coupable de ne pas rendre service. Mais ça, c'est aussi un travail personnel à chacun de faire les choses, parce que c'est en forgeant, on revient forgeron.
il va falloir travailler ces choses-là. Et donc, on ne peut pas prendre tout de suite la mouche en se disant, moi, je ne sers à rien, c'est bon, je me casse. Voilà. Il va falloir travailler. C'est un travail sur soi. Et faut aussi comprendre que une vie comme ça n'est pas un repos tous les jours. Bien que en permaculture, en autonomie, quand vous avez travaillé déjà pas mal de temps sans rien où vous êtes, où vous avez quand même déjà travaillé un bon moment la permaculture, où tout se fait presque tout seul, c'est pas forcément dire qu'on se levait à midi, 15h, et puis on peut rien faire. Il y aura des jours où vous allez vouloir faire un travail, et puis il y a quelque chose à faire avant, et quand ce travail-là n'est pas fait, il va falloir le faire. Et ça, c'est très problématique. Parfois, souvent, on se retrouve, on est coincé. Voilà. Mais le travail de communauté est là pour pallier ces petits problèmes, parce que chacun aura son mot à dire, sa manière de faire, et trouver des solutions. Et comme je dis à chaque fois dans mes fins de vidéo, il y a toujours des solutions, il n'y a jamais de problème. Bien sûr, après, il faut mettre la main à la pâte. On peut pas croire les problèmes, même dans la vie courante de tous les jours, on ne peut pas croire que les problèmes sont juste là de passage et voilà, il faut s'accrocher, il faut donner le meilleur de soi-même pour sortir de ces problèmes-là. Et dans la vie en autonomie, dans la vie en mode alternatif, il y aura souvent, par exemple, des complications sur différentes choses. Et où, parfois, on va se dire, est-ce que j'ai pas fait une erreur en quittant le mode de vie classique, normal, spamin, machin. Donc, faut s'approcher. Et ça va, oui, facile tous les jours. Mais la communauté est là pour apporter les bonnes choses. Et comme dit, il va falloir aussi trouver les bons caractères. Il faut savoir que dans la vie, on a des gens de passage. Il y a des gens qui viennent dans nos vies et puis soudainement, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus et ça, les gens de passage, qui simplement, au bout d'un moment, on vit notre vie, on rencontre personne. Et voilà. Et on se retrouve parfois à être très proche de certaines personnes, à vouloir vivre avec eux, ou faire des communications, faire un bout de chemin ensemble, voire un grand bout de chemin ensemble. Et moi j'aime bien ce genre de choses. Mais parfois c'est pas toujours évident, mais on peut très bien y arriver. Dans la vie communautaire, il faut aussi prendre en compte le fait il y aura toujours des moments plus calmes, plus pas forcément tendus, mais un peu plus voilà, chacun aura son petit jardin secret, on va dire. Donc, il faut aussi trouver l'équilibre entre la vie en communauté, mais aussi chacun à son camp à soi. Parce que c'est très important aussi de pas être constamment ensemble, pas constamment être sur les pieds de l'un et de l'autre. Donc, il va falloir travailler. Mais travailler sur soi, travailler avec les autres, évidemment, c'est un mode de vie aussi voilà, c'est demandant. Hein. Il y aura parfois des jours où vous aurez peut-être l'impression de faire vous-même les choses. Mais il faut bien prendre en compte que le travail en communauté, c'est pas seulement. C'est pas comme les collègues de travail dans une usine. Hein. Ça, chacun a son chef. Et puis, le chef, lui, va voir que le travail soit fait. Parce que au-dessus de lui, il y a un chef qui va donner son. Enfin, il va taper sur les doigts, façon de parler. Et en communauté, on peut pas. Enfin, moi, je pense que d'avoir un chef, il faut avoir un petit chef, mais je pense que c'est pas la bonne méthode aussi. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, chacun prenne sa part de responsabilité. Ouais. Et donc, chacun aura son travail à faire. Pour le terrain, pour la semi-bague, la bague. Chacun aussi aura son petit travail personnel, le caractère. Voilà. On ne peut pas changer nos défauts. On peut les améliorer. Alors, des fois, c'est des défauts qui vont dans le bon sens ou encore plus dans le mauvais sens. Mais dans chaque qualité, il y a des défauts. Mais dans chaque défaut, on peut trouver des qualités.
Par exemple, ça peut être un défaut, mais t'es-tu dans une sorte de volonté d'être sur ses idées, de ne pas voir autrement, il va faire un travail. Et s'il est têtu, ben, il va donner le meilleur de soi pour finir son travail en bonne uniforme. Voilà. Si vous, de votre côté, vous avez des gens avec qui vous voulez partager votre vie de tout le monde, c'est faisable. Après, vous trouvez les bonnes personnes. Moi, je pense que je les ai trouvées. Moi, je pense que je les ai trouvées. Mais c'est pas facile. Non, je les non. Ils sont géniaux. Et j'espère pouvoir vivre longtemps avec eux. Que c'est pas simplement les gens de passage. J'espère vraiment que le projet A va se faire, ou le projet B, puisque voilà, on peut faire les lettres de l'alphabet. Voilà, projet communiqué, je vous encourage à le faire, c'est une bonne chose, mais il faut être patient, faut travailler avec soi-même, faut travailler avec les autres, et voilà. Moi je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, c'est super important, c'est ça qui fait le référencement dans les vidéos. Et je compte sur vous. Merci de regarder cette vidéo, merci de regarder la chaîne en général. Je vous dis à la prochaine et je vous rappelle dans la vidéo, jamais de problème. Et je vous dis ciao les amis, bonne journée, ciao.